L'hymne national est ce qui représente un pays, une nation, tout comme le drapeau national, les armoiries nationales ou la devise nationale. Les hymnes sont utilisés dans les manifestations internationales ou sportives. L'hymne national algérien représente l'histoire de notre pays. Parmi les hymnes nationaux du monde, le texte le plus ancien est celui du Japon, Kimigayo, votre règne. Il date de l'ère de Kamakura, entre le XIIe et le XIVe siècle. L'auteur est anonyme. Il a été mis en musique par Hayashi Hiromori en 1880. L'hymne national n'est pas qu'une mélodie, c'est la célébration de l'unité nationale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les hommes qui ont contribué à la création de l'hymne national algérien. L'histoire de ce chant national qui fait vibrer le cœur du peuple algérien. Qui ne connaît pas l'hymne algérien Kassemen, nous jurons. Ces paroles ont été écrites par Moufdi Zakaria, un poète nationaliste d'origine mozabite. Il est né le 12 juin 1908 à Bnisguen, près de Rardaya, et il est mort le 17 juin 1977 à Tunis. Il est surnommé le poète de la révolution algérienne. Son véritable nom est Slimane Ben Yahya Shir El-Hajj Slimane Ben Hajj Aïssa. Le surnom Moufdi deviendra son pseudonyme littéraire, qui lui sera décerné par Slimane Boudjenner. Très tôt, il quitte son village natal pour rejoindre son père qui est commerçant à Annaba, où il fera ses études et où il apprend la grammaire et le fiqh, qui est l'interprétation des règles de la charia ou de la jurisprudence islamique. Plus tard, il ira à Tunis, en Tunisie, chez son oncle. Son oncle, qui était par ailleurs l'un des fondateurs des premiers destours tunisiens, également appelé Parti libéral constitutionnel, fondé en 1920, ayant pour but de libérer la Tunisie du protectorat français. Zakaria poursuivra ses études à l'école SLM, puis à l'école El Kaldounia, puis à l'université de la Zaitouna. En fréquentant le milieu étudiant algérien à Tunis, il se lia d'amitié avec le poète tunisien Abou El Kassem Chebbi et le poète algérien Ramdan Hammoud, avec lequel il fonde l'association littéraire El Wifer, l'Entente, qui publiait des revues entre 1925 et 1930. Une fois de retour en Algérie, il crée une association similaire, El Hayat. Seulement 3 numéros sortiront en 1933. Il devient membre actif dans l'Association des étudiants musulmans de l'Afrique du Nord en 1925. Il est de ceux qui se risquent à critiquer le mouvement jeune algérien. Il proteste également quelques années plus tard contre les fêtes centenaires de la conquête de l'Algérie en 1930. Il devient un fervent lecteur du journal El Ouma, publié en France par les dirigeants de l'Étoile Nord africaine, fondé en 1926 et présidé par Messali Hedge. Il adhère à l'Étoile Nord africaine lorsque ce mouvement s'implante en Algérie en 1933, bien qu'ayant des sympathies pour le mouvement réformiste des oulémas. Après la dissolution de l'Étoile Nord africaine en 1937, il rejoindra le PPA, Parti du peuple algérien. Il composera Fidaou El Jazair le 17 novembre 1936. Il sera arrêté le 22 août 1937 avec Messali Hedge et Hussein Lahouel et sera libéré en 1939. Il continua son action en lançant avec d'autres militants le journal Shahab en langue arabe. Il collabore également avec des journaux tunisiens en signant El Fatah El Watani ou Abou Firas. Il sera de nouveau arrêté en 1940 et condamné à 6 mois de prison. Entre 1943 et 1944, il sera à la tête d'un restaurant à Alger avec d'autres camarades. Il collabora avec des journaux clandestins, El Watan et l'Action algérienne. Le 8 mai 1945, il sera de nouveau arrêté et condamné à 3 ans de prison. À sa libération, il adhère au MTLD, Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, et il sera candidat aux élections à l'Assemblée algérienne. Il rejoint le FLN, Front de Libération Nationale, en 1955 et sera de nouveau arrêté en avril 1956 et condamné à 3 ans de prison. Il sera incarcéré à la prison de Barberousse à Alger. À la demande d'Aban Ramdan et de Ben Youssef Ben Kedda, il écrira l'hymne national Kassemen.
Selon la rumeur, Moufdi Zakaria aurait écrit l'hymne avec son sang sur les murs de sa cellule numéro 69. Il nommera ce poème Fishhadou, témoignisant. Celui-ci sera immédiatement adopté, puis renommé Kassemen, nous jurons. Après que le texte fut adopté, il fallait trouver une composition musicale à l'hymne. La première sera écrite par l'Algérien Mohamed Touri à Alger, mais cette composition ne sera pas satisfaisante. On demande alors au Tunisien Mohamed Triki de composer la musique avec l'aide d'une chorale algérienne à Tunis, mais elle ne sera pas retenue. Et finalement, on demandera à Mohamed Fawzi, un compositeur et chanteur égyptien qui est né le 15 août 1918 à Tanta et mort le 20 octobre 1966 au Caire, d'écrire la partition musicale. Cette dernière sera retenue et deviendra l'hymne national algérien que tout le monde connaît aujourd'hui. Elle sera officiellement adoptée comme l'hymne national en 1963 après l'indépendance de l'Algérie. Moufdi Zakaria sera libéré le 1er février 1959. Il quittera clandestinement l'Algérie en direction du Maroc, puis de la Tunisie, pour y être soigné par le docteur Frantz Fanon, à cause des séquelles de toutes les tortures subies durant sa détention par les Français. Il devient le porte-parole de la cause algérienne au Maghreb à travers la presse tunisienne et marocaine. Il collabore avec le journal El Moudjahid jusqu'en 1962. Après l'indépendance, il se consacrera à son œuvre littéraire tout en exerçant le métier de représentant commercial en parfumerie. Il résidera tour à tour dans les pays du Maghreb. Avant de s'établir au Maroc, il décédera d'une crise cardiaque le 17 juin 1977 à Tunis. Sa dépouille sera transférée en Algérie à Bni Isguen, sa terre natale, pour y être enterré. Il dira lors d'un discours au 4e congrès des étudiants nord-africains à Tlemcen, en 1931, j'ai foi en Allah comme divinité, dans l'islam comme religion, dans le Coran comme imam, dans la Kaaba comme mausolée, dans notre Seigneur, Mohammed bénédiction et salut sur lui comme prophète, et dans l'Afrique du Nord comme patrie une et indivisible. Je jure sur l'unicité de Dieu que j'ai foi dans l'unicité de l'Afrique du Nord pour laquelle j'agirai tant qu'il y aura en moi un cœur qui bat, un sang qui coule et un souffle chevillé au corps. L'islam est notre religion, l'Afrique du Nord notre patrie et l'arabe notre langue. Je ne suis ni musulman, ni croyant, ni arabe et ne sacrifie pas mon être, mes biens et mon sang pour libérer ma chère patrie, l'Afrique du Nord, des chaînes de l'esclavage et la sortir des ténèbres de l'ignorance et de la misère vers la lumière du savoir, de la prospérité et d'une vie heureuse. Tout musulman en Afrique du Nord, croyant en l'unicité de celle-ci, croyant en Dieu et en son prophète, est mon frère et partage mon âme. Je ne fais aucune distinction entre un Tunisien, un Algérien, un Marocain, ni entre un Malikite, un Hanifite, un Chaféite, un Ibadite ou un Ambalite, ni entre un Arabe et un Kabyle, un citadin et un villageois, un sédentaire et un nomade. Tous sont mes frères. Je les respecte et les défends tant qu'ils œuvrent pour la cause de Dieu et de la patrie. Si je contreviens à ce principe, je me considérerai comme le plus grand traître à sa religion et à sa patrie. Ma patrie est l'Afrique du Nord, patrie glorieuse qui a une identité sacrée, une histoire somptueuse, une langue généreuse, une noble nationalité, arabe. Je considère comme exclu de l'unité de ma patrie et exclu de la communauté des musulmans quiconque serait tenté de renier cette nationalité et de rejeter cette identité. Il n'aura qu'à rejoindre la nationalité des autres, en apatride qu'on recueille. Il encourra la colère de Dieu et celle du peuple. Notre patrie est l'Afrique du Nord, patrie indissociable de l'Orient arabe, dont nous partageons les joies et les peines, les ardeurs et la quiétude. Nous unissent à lui pour l'éternité les liens de la langue, de l'arabisme et de l'islam. Poète de la révolution algérienne ayant écrit l'hymne national algérien, Qassemen, Fedaouch El Zejaïr, chant des Chouhéda, chant de l'armée de la libération nationale, chant de l'Union générale des travailleurs algériens, chant de l'Union des étudiants algériens, chant de la femme algérienne, chant Barberousse, également chant du Congrès du destin tunisien,
chant de l'union des femmes tunisiennes, chant de la bataille de Bizerte, chant célébrant l'évacuation du Maroc, chant de l'armée marocaine. Il détient la médaille de la capacité intellectuelle du premier degré décernée par le roi Mohammed V, la médaille de l'indépendance et la médaille du mérite culturel décernée par le président tunisien Habib Bourguiba, et à titre posthume la médaille du résistant décernée par le président algérien Chedli le 25 octobre 1984. Pour ceux qui veulent découvrir les œuvres de cet homme qui fera à tout jamais partie de l'histoire algérienne et qui sera éternellement présent dans la mémoire des Algériens, voici quelques-unes de ses œuvres. Moufdi Zakaria était un homme qui aimait l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Il aspirait à l'indépendance de toute l'Afrique du Nord.